Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode de Guild of Dungeon Ring. Alors c'est parti, on a réussi à faire l'étage 1 de ce truc là. Il n'y a que deux quêtes, donc il faut que j'aille péter une mimique avant qu'elle m'attrape. C'est pas bon ça, c'est pas cool. C'est pas cool. Allons-y, on va quand même tester, avec notre zélote. On va voir ce que ça donne. Alors, il y a plusieurs My Mike. Oui, c'est ça. On va se faire rush. Ok, on se fait rush. Ok. Défaite de Mimic Queen. Ouais, mais je suppose que si je prends pas de route, je vais mourir en deux frames. Le cap est vraiment très fort. La glyphe est intéressante. Si tu coffres une
chercher ça aussi. De toute façon, je peux pas le bloquer. Les patates de foin. Bloc de la magie, mais moi aussi. Ah ah, bloquons de la magie. Let's go. Là, tu vas te perdre un point de vie, tu vas te suicide. Très bien, suicide. Attends, je suis suicide aussi. Nous sommes suicidés. Très bien, excellent. A scream is heard to chill the bones, so lift the earth and lay the stones. A martyr's grave to recompense? But others would have had more sense. J'ai pas compris. Pourquoi je comprends pas cette phrase là-haut. Nous avons besoin d'un new cat buglar, time to put up more for higher poster. Let's send someone else out while we wait. Comment ça je peux envoyer quelqu'un à l'extérieur hein? Est-ce que t'es juste en train de me dire qu'il faut que j'attende en fait? Et repasser après la pub s'il vous plaît, tout ça. Ok, bah écoutez, de toute façon, on va y aller avec Daisy. Donc bon, la mimique level 2, on va peut-être éviter. Et en fait, je suis en train de me dire que je suis peut-être en train de faire des grosses boulettes. Parce que j'ai perdu un personnage. J'ai perdu un perso de niveau 2 à peu près, ou niveau 3. Donc, en gros, un personnage avec des traits supplémentaires positifs. Pour me retrouver avec que des étages de niveau 2, etc. Donc avec des quêtes assez hardcore, mais bon, tant pis. Let's go, on a fait des mauvais choix, Des mauvais choix de vie, hein. C'est des choses qui arrivent. Mais l'avantage, c'est qu'on va se faire de donjons. Je dois défaire 4 monstres. C'est mon job. On a des goblins. Péter un goblin. Ah, attendez, en fait j'ai mon build là, c'est bougé pas. Voilà, c'est bon, j'ai mon build. C'est parti. Waouh! Impressionnant, le niveau de stuff est vraiment impressionnant. Niveau les armes, super. Le bash est intéressant. Ouais, c'est le jeu de bash. J'ai oublié de mettre, mais je sais pas combien en fait. Je sais pas combien de joueurs s'afficher. Un scorpion, tu crois que je vais me coller un scorpion dans les pattes, quoi. T'es malade. Voilà. Ce que tu veux. Des crétins de niveau 1. Ah non, il y a un crétin de niveau 2 là. Je vais pas le prendre avec un crétin. Je suis très faible.
va rush la couche. Dungeoneer who survived. Just look at the joy. I'm so teary-eyed. Do you think that they'll all come back alive? Well, I suppose if they don't, then at least they all tried. J'essaye de causer. Donc j'expliquais l'exemple du gobelin qui essaye de te planter sa dague dans la gorge, qui a pour destination de te planter une dague dans la gorge, mais qui se fout complètement du fait que tu tends une lame devant lui de 30 ou 50 cm, peu importe. Plus. J'ai gagné Hulk. Ah, on a plus de points de vie. Oh, formidable. C'est dans mes veines. Bon. Très bien. Et bien, suite à cette défaite... Ah, et nous avons donc récupéré ce petit Colm. Très bien. Fort intéressant. Mais on va continuer avec Daisy, je pense. Battle Scars. Ouais. Hulking, ok. Très bien. Eh bien, oui, nous avons effectivement un mort en plus. Très bien. Eh bien, écoutez, on se retrouve dans un prochain donjon. Hein. À la prochaine. Ciao.